Président Laurent Gbagbo sera mon introduction. Charles Blé Goudé. Je suis un homme
Thank you.
J'ai vu une vidéo quelque part, de développement personnel, où il y a un jeune homme qui est allé faire un Western Union pour son père, qui était malade. Et l'agent qui donne le service lui a dit que le service, ça ne marche pas. Le système en panne. Il a fait des histoires. Il a commencé à insulter tout le monde. On lui a dit, monsieur, le service ne marche pas. Vous partez, vous réveillez. Mon père est malade. Je dois lui faire ce mandat-là. Je dis, non, c'est pas possible. Il était fâché. On lui revient après. Reviens demain. Regardez, ça marche. Il est là à la maison. Il a appelé son père pour lui dire, ah, papa, je n'ai pas pu faire le dire. Son père dit, merci. Le lui-même, vous allez partir prendre l'argent. Il y a quelques minutes là, on dit que l'immeuble là s'est écoulé. Où mon amour là? Il est retourné rapidement à la poste. Et il a allé saluer l'argent pour dire merci beaucoup. Parce que si j'avais fait le mandat, mon père serait allé prendre l'argent et serait déjà mort. Souvent, Dieu est à des situations pour nous protéger. C'est le message que moi je vous passe. Souvent, Dieu, il retarde des situations pour nous protéger. Pour le président Gbagbo et moi, ne vous inquiétez pas. Nous suivons notre destin. Il est certes pénible, il est certes difficile, mais c'est notre destin. Et nous, on est fiers de la suivre. Et ne suis certes pas le porte-parole du président Gbagbo, sans le reproche souvent. Moi, je n'ai pas besoin de la permission de quelqu'un pour parler de Gbagbo. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de la permission de quelqu'un pour parler de Gbagbo. Parce que je n'ai pas besoin de la permission de quelqu'un pour m'envoyer ici en prison à lui. Donc, Dieu, il est en sourd des situations. Pour nous protéger. Bon, on ne comprend pas. Et moi, c'est ça que je vais partager avec vous. Ne vous inquiétez pas. On est venu en bourse, on n'est pas venu chasser un rat. Parce que quand tu vas en bourse pour chasser un rat, tu dis pas, vite, tu es venu. Quand tu vas en bourse pour aller chercher un abouti, soi-même, tu dis pas, tu vas chasser un éléphant. Tu peux y passer un mois, deux mois, trois mois, un an, deux ans. Le jour où tu reviens, tout le village est en joie et battant. C'est pourquoi quand vous voyez, je suis toujours zèle. Depuis la prison jusqu'à aujourd'hui, demandez à tous ceux qui m'ont visité si quelqu'un m'a une fois que je suis triste. Ça, parce que moi, j'aime la prison. Mais je me dis, mais c'est moi, c'est à moi de jouer ce rôle. Et je l'assume. Vous, vous avez joué votre rôle. Moi, je suis fier de vous. Tout à l'heure, j'ai remercié tout ça. Vous cotisez votre argent. Vous louez des cars. Dans le froid. Dans la neige. Vous devez négocier des permissions auprès de vos patrons ici en Europe où on est venu pour travailler pour avoir un peu d'argent. Depuis 9 ans, vous avez un seul travail. C'est pas qu'il y a la haine. 6 heures de route toute la nuit. Vous ne vous fatiguez jamais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À travers vous ce soir, je dis merci à tous les Ivoiriens. À toutes les Ivoiriens. Qui prient pour le président Gbagbo. Qui prient pour moi. Qui prient pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je voulais seulement vous voir aussi. Et puis que vous me voyez aussi. Pour savoir comment je vais. Parce que c'est pour nous que vous vous battez. C'est pour nous que vous vous battez. Donc, il est bon souvent pour vous de voir comment on va. Voilà. Il est bon pour vous de voir comment on va. Ne nous oublions pas. Ce que moi je vous dis. Parce que souvent, on s'oublie beaucoup.
Depuis que le président Gbagbo et moi, on était libérés sous condition, on dirait qu'on s'impose, on ne s'est pas oublié. On va dans tous les sens. Il y a quoi? Ne faisons pas comme le singe. Sinon, la vipère va nous manger. Le singe est en haut et là-bas. Et la vipère est en bas. Le singe, là, il mange ses mangues. Et la vipère est en bas. Il dit, mais toi, tu n'as même pas les pieds, tu n'as pas marché, tu es en bas là-bas, tu manges quoi? Il dit, je ne mange rien, je suis ici. Moi, je mange ce que tu s'oublies. Il dit, mais est-ce à qui tu s'oublies? Il dit, il y en a qui s'oublient souvent. Un jour, le singe a mangé ses mangues jusqu'à quand il était rassasié, il dormait. Il est tombé pour la vipère à manger. Et puis, je viens de faire partie de ceux qui s'oubliaient. Ne nous oublions pas. Ne faisons pas comme le singe, je ne voudrais pas que la vipère nous mange. Parce qu'on dirait qu'on s'est oublié. Le combat n'est pas encore fait. Il faut que le bien doit retourner chez lui. Il faut qu'il touche la terre de la Côte d'Ivoire. Et après ça, il faut qu'il touche la terre des mamans. C'est vrai que ça, on va dire que ça ne résout pas tout le problème. Mais ça va résoudre un problème moral. C'est un problème moral. Ce n'est pas tout qui est l'argent. Ce n'est pas tout qui est l'argent. Ce n'est pas tout qui est le pouvoir. Mais il est bon que le président de l'Ombago retourne en Côte d'Ivoire. Et c'est votre mobilisation permanente. C'est le doyen. Dans tout, il n'y a aucune des exceptions. Voilà. Le vieux ne veut pas s'oublier. Non, il a son téléphone sur lui. Il est très prudent. Donc, j'ai voulu lancer ce petit message-là pour vous dire, ne nous oublions pas. Parce que le combat n'est pas encore fini. Il y aura la fête. On va s'éclater. Musique.
Charles Blé Coupé. Thank you.
ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Zoga, you're my book, you're the best. I don't know, but I'm not the best of quality. Because I can't get you a brand new quality one.